Salut à tous, on se retrouve sur Compagnie of Heroes. Nous poursuivons notre campagne de Normandie avec la compagnie Hebel qui va devoir s'emparer d'une colline qui surplombe Saint-Lô. C'est vraiment la dernière défense des Allemands avant de pouvoir affronter les troupes dans la ville. Colline 192. Entre la compagnie Hebel et la colline 192 se trouve un bocage labyrinthique truffé de 88, de panzers, de fantassins dissimulés. La compagnie Hebel doit sécuriser la colline 192 avant d'avancer vers Saint-Lô. Clair, net, précis, on y va. On a perdu le contact avec la compagnie Charlie. Ils avaient ordre de prendre la colline 192. Ils ont échoué. On sait que la division d'élite Panzerleer a été chargée de défendre Saint-Lô. Le Panzer de l'As Joseph Günther Schulz a été repéré dans la zone. Avant de capturer Saint-Lô, Hebel va devoir prendre la colline 192. Alors le gars qu'on vient de voir, ça va être un adversaire qu'on va retrouver plus tard, je crois, dans une autre mission, après Saint-Lô. Là pour l'instant, moi c'est les 88 qui me font le plus peur. Peut-être les snipers aussi, il doit y avoir des snipers sur une carte comme ça, on voit à quel point les haies peuvent poser problème. Après je crois qu'on peut passer au travers des haies avec les chars à chenilles, là. J'ai oublié, mais l'amélioration qu'ils ont qui leur permet d'exploser les mines, ça peut leur permettre aussi de traverser les haies. Parce que sinon, ça peut être un vrai labyrinthe, effectivement. Qu'est-ce qui va pas, Franks? T'avais jamais vu un cadavre? Depuis 3 jours, notre division essaie de prendre la colline 192, défendue par le 352e régiment de grenadiers ennemis. On va s'en charger. Les haies cachent de puissantes défenses. On va gravir la colline sous des tirs ennemis, alors surveillez bien vos flancs. Et ce n'est pas tout. Le 352e régiment reçoit des renforts de ces villes. Si on parvient à sécuriser ces zones, ils ne pourront plus attaquer notre ligne de progression. Ces deux routes seront sûrement bien défendues. Alors évitez-les au maximum. Prendre la colline 192 ne sera pas facile. La compagnie Charlie n'a pas réussi et s'est fait décimer. Maintenant, c'est à nous de jouer. Bonne chance, Hebel. Parfait, parfait. Mais alors attention aux routes. On nous dit qu'il faut prendre ce village-là et ce village-là. Donc on va commencer par faire des bâtiments. C'est ça. On a trois. On y va, les gommes, si c'était fait. Alors, attendez. On va pas. J'ai envie d'aller là. Il y a 2 points. C'est une grande partie de la carte. C'est ce territoire-là. Ça, on va faire ça. Tout le monde, on écoute le chef. Équipe de construction. Les fusiliers en avant. C'est parti. Et là, pour l'instant, on a un tout petit peu de carburant, mais c'est tout. C'est ici que la compagnie Charlie a été prise en embuscade. On devrait sécuriser cette ville pour protéger notre flanc droit. Ouais.
Si on peut limiter l'arrivée des renforts en face, ça peut être excellent. Là, l'arrivée des fusils d'assaut, ça va être très bien aussi. On va faire... Ça va être hyper important. Ouf, ça va. Ça va, c'est facile. Tac, on peut même aller là. Donc ce point-là, il est facile à prendre normalement. Voilà, les fusils d'assaut, trop bien. Et même, on va pouvoir prendre... Unité ennemie détruite. Et on est rien compris. Voilà. Parfait. Alors, je sais pas si j'en aurais besoin là-bas. Je vais quand même le prendre avec moi. Là, on peut avoir déjà des tirs d'élite de compétition, mais ça coûte tellement cher, je pense que je vais en faire des nouveaux. Pour l'instant. Et on les fera monter en grade. La compagnie est bonne, bah, allez, on la position. Relevez-vous le cul. On est prêt à en Nous avons regarni leur rang en okay. un rien de temps. Ah oui, objectif secondaire, prendre 50 minutes. Ouais, parce qu'on joue en normal. En facile, ça aurait été une heure. Contrôlez les munitions et nettoyez Hop, vos on s'avance. Quelles sont mes coordonnées ? Fusilier, ouais, à vos ordres. On avance maintenant. On a besoin de beaucoup de carburant parce que ça va consommer pas mal. Ça va prendre tout ce qu'on a, tout simplement. Fusilier à vos ordres. Est-ce que deux, c'est suffisant ? Je vais espérer que ça soit suffisant. S'il a une MG42, par contre, je peux rien faire. Donc, il faut que je me prépare à... Oh ! D'accord, okay. On se calme. À cette distance, on peut lui tirer dessus, mais il faut qu'on s'expose un petit peu. Oh, attendez. Il contre-attaque. Ça ne va pas. 140. Ah oui, d'accord. On va y être. Voilà, et on va réparer aussi. L'un de nos soldats sont Voilà, parfait. Début tir de soutien. Ils attaquent une de nos positions avancées pour investir notre territoire. Et ils contre-attaquent pas, c'est très bien. Voilà, ils ont fui, mais ils reviendront à un moment donné. Avec moi, les gars. Nous, on va se mettre là, peut-être. Je sais pas si on aura besoin des deux unités pour... Ah, voilà, qui perd envahi. Parfait. On a doublé la mise. Fusil, la protection est à présent deux fois plus rapide. S'il n'y a pas de MG42, c'est bon. Non, c'est bon. Ah oui, il a pété le... On va passer derrière, là. Est-ce qu'il y a autre chose? Pour l'instant, non. Bah, très bien, le dépôt de carburant, il va être facilement prenable, du coup. Parfait. Okay. Et même on va le prendre, tiens. Tac, on prend ça. On a deux anti-chars maintenant. Par contre, je sais pas où je vais trouver des chars en face. Donc lui, déjà, il va revenir ici, parce qu'on va en prendre que un pour poursuivre notre chemin. Ici, on va prendre... Non, hop, je vais prendre un bleu. Vous allez là. Marche forcée. Donc on va essayer de couper objectif, prendre ce point-là. Ok, donc là on va se battre autour de la carcasse du char. Bah on pourrait même prendre un lance-flamme, ça pourrait être utile. Par contre là, les munitions c'est ici. Hein. Ouais, pour l'instant on n'a pas de munitions, c'est un peu gênant. Qu'est-ce que c'est ? Ah, un mortier ! Et il ne va pas me repérer. Donc moi j'aurai un mortier. Parfait. Et là maintenant, on va juste cibler ça. Ah, vous pouvez rentrer vous. Écoutez bien les gars. Ouais, il faut qu'on lance un assaut sur. Bah du coup non, ça c'est trop dangereux. Peut-être qu'il y a quelque chose ici. Ah, lance-flamme les gars. En plus, il va me canarder avec. Ouais, on va devoir rentrer, je pense. Tout le monde doit rentrer. Ah, c'est terrible. Hop.
Est-ce que vous avez tué des gens? Non, c'est-à-dire qu'il n'y a personne ici. Peut-être ils sont dans le coin là, ou là, dans l'angle. Je sais qu'il y a des gens. Soldats en formation, regardez-vous les gars. Vous vous repartez. Un Goliath. On va s'aligner là et on va espérer pouvoir le dégommer avant avec le fusil mitrailleur. Allez, allez. Bon sang, va. Ils attaquent une de nos unités et vont investir notre territoire. Nous avons regarné leur rang en un rien de temps. C'est que ça coûte quoi. En début de partie, c'est assez redoutable de devoir subir ça. Et on va devoir reconstruire par-dessus puisqu'on va peut-être pas arriver à temps. Les autres gars comptent sur nous. Boulot, les gars. Les gars, remuez-vous le cul. Prenez le matériel et on... Les lignes de ravitaillement avancées sont coupées. On attend que les bâches. Remuez-vous le cul. En vitesse, soldats. Et hop, vous... Ils ont pas fait de victime, mais y'a personne là. L'un de nos secteurs sécurisés est attaqué. Allez, on arrive. On va attendre un tout petit peu alors. Ah là aussi, contre-attaque. Il faut vraiment qu'on soit de... Ouais, peut-être plus offensif. On va la couverture. Pas facile, hein. En même temps, c'est le temps qui est stressant, sinon on aurait la garantie de pouvoir réussir, mais... Le timing est toujours un peu stressant. Position avancée pour investir notre territoire. Quelles sont mes coordonnées? Du coup, je l'ai perdu, le canon? Ah ouais, je l'ai perdu. Les lignes de ravitaillement avancées... Alors vous, vous allez faire la manip. Servez-vous de cette arme, en position. Et vous allez rentrer après. On vient d'achever la construction. L'un de nos secteurs sécurisés est attaqué. On attend les ordres, chef. Je me le tends cette position, il n'y a qu'à leur laisser. On n'arrivera pas à temps, là encore. Fusilier, avec moi. Ils attaquent une de nos positions avancées pour investir notre territoire. Ah si, c'est bon. Ouf. Quelles sont mes coordonnées? Quel était le problème? Mortier, à vos ordres. Donc ici, il n'y a personne. Parce que si on peut prendre des munitions, là... Un, deux... Ouais, non, deux, il est un peu plus loin, celui-là. Ouais, allons-y. Rien. En vitesse, soldat. On se fait mitrailler depuis les... D'accord, ok. Restez baissés. Ok, ok. L'ennemi nous canarde depuis les haies. Donc, ok, donc ça, ça va pas être un problème. Par contre, ça va être un problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le carburant. Et tiens, d'ailleurs, on va pouvoir faire le bâtiment à char bientôt. 350. On les perd aussi vite qu'on les reçoit. Parfait. Ici, c'est bon. Ici, au boulot. Là, on a perdu du monde. Hein. C'est parti. On va aller voir par là. Quelles sont mes coordonnées? Est-ce que c'est bon? Il a eu 3 morts, donc c'est bon. On va bombarder ça, même si c'est pas suffisant. Mais on a un anti-char qui peut peut-être faire le boulot, là. Quelles sont mes coordonnées? Et... Dépôt de blindés construit. Voilà, on est deux. On va aller prendre le point là-bas. Et s'il y a des MG42, on les bombarde avec notre... On doit trouver un moyen de traverser ces haies. Oh, parfait. Soyez des Sherman crocodiles et équipez-les de lames de bulldozer. Ah voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Bon, on va faire le ménage avec ça. Allez, on roule. Quelles sont mes coordonnées? Donc vous, on va avoir besoin de vous là-bas, je pense. Ici, la cavalerie motorisée. Ah, on l'a détruit, génial. Et puis eux, ils s'enfuient. Donc très bien, vous, là, les munitions c'est plus que nécessaire. On a un Calliope en plus, alors Calliope on va bombarder ça, parce que je pense qu'il y a des mondes dans les bâtiments. C'est... Ouh, ça va être le... Ouais, on va faire un gros ménage. Il y a un sniper ici, il y en a un autre là, peut-être qu'il y en a un autre là-bas. Et il y a ça à bousiller aussi. Oh bah ça va être très bien. Les Allemands reçoivent des renforts d'ici sur leur flanc gauche. Ah bah voilà. Je veux que vous me rasiez cette ville. On peut pas laisser des flics s'arrêter. Et là aussi pareil. Soyons prudents. Oh bon sang. Fuyez là. Exécution. Ok, on a trouvé les deux QG en gros. Et s'il y a pas ça, il y a pas de renfort. Je crois que c'est quand même... Position
hyper important de commencer par là. Pour être plus tranquille par la suite. Tac. Donc là, il faut juste... Pardon ? Non, un char. Toi, un peu par là. C'est bon. Là... Ouais, là, le char en premier. Ensuite, ça a viré grâce au mortier. Vous avez pas vu. Les lignes de ravitaillement avancées sont coupées. Oh là, c'est assez intense, hein. Heureusement qu'on joue qu'en normal. Un petit Sherman, hop, ça va faire plaisir. Cela dit, je pense pas que ce soit plus difficile en termes d'intensité de bagarre quand on joue en difficile ou en expert, c'est juste qu'on a moins de temps pour faire ça. Ça pique, ça. Et là-bas, je sais pas ce qu'il y a. Est-ce que c'est bon? Tac, on a dit ça. Toi, tu t'avances, parce qu'il y a plus sniper. Et vous... Ici... Sniper, sniper... Non, sniper, c'est pas grave. Parce que le... Si on bousille ça, on peut s'avancer. Quoique non, il y a le... Ah si, c'est grave. Il faudra la récupérer. Et il en a mis un autre ici. Ok, donc on va devoir reprendre, réaffronter ça. On est déjà 11 minutes. Bon après, ça va être vite. Hein. Deux snipers, c'est pas trop grave. Mais là, il y avait un anti-char qui est assez redoutable. Et surtout le char. Ouais, le char. Allez, on recule. Il est où l'anti-char? Ah bah du coup, il est là. Oh, pétard. On a besoin de vous, les gars, en fait. On a besoin de monde. Reprendre l'anti-char, détruire ça grâce à ça. Non, vous allez réparer le crocodile. Ouf. Construction. Prochain tir du Calliope, ça va être... Oh bon sang. Ça va être sur la base. Cela dit, la base, on pourra reprendre le contrôle du bâtiment. Oh, il manque plus que ça. Il va se tuer tout seul, de toute façon. Allez, vous allez là. On va peut-être attendre qu'il décède. On est prêt à avancer. On attend leur... Allez. Il nous envoie des Goliaths. Bon, on va se faire réparer de toute façon. Ah, on est complètement dépendant de la mort de ce sniper. Pas vrai. Non, arrosez le toit de cette boîte de conserve. Il est temps de se faire quelques frites. Oh, mais attendez. Tac, ça peut être un peu polyvalent. On pourrait avoir les anti-chars qui sont là-dedans. T'es obligé de faire tout le tour. Parfait. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on ferait qu'on... On barderait ça pour voir. Ah ouais, normalement ça va pas tenir très longtemps. Ouais, on est bon là. Parfait. Ça avance tranquillement. Toi tu vas là. Contrôlez les munitions et nettoyez vos lunettes. Objectif, affronter le Panzer maintenant. Oh non, non, pas si près. Faut
On aura bien besoin de l'anti-char finalement. Voilà, parfait. Maintenant, lui, il peut tirer là-dessus sans se faire tirer dessus normalement. Quelles sont mes coordonnées? C'était-moi une. Il y a plein de couverts ici, purée. Nous sommes prêts. On ouvre le feu. On a eu mal, donc. Qu'est-ce que. Ah, il a été obligé de s'avancer. Purée. Finalement, on va envoyer le crocodile. Il n'y a pas mieux. Arrêtez de gémir et avancez. Je sais pas s'il y a des survivants encore ici. Nos forces accusent des pertes. Fusilier, avec moi. On essuie des tirs. Il n'arrive pas à tirer à cette distance. Bon. Et lui, de faire tout le tour. Pas de problème. En avant. Emmène-nous là-bas. Nous sommes là. Avancez. Dès qu'on a pris ça, carburant, et ensuite on s'avance vers le point suivant. C'est bon. Hop, on va là. Les lignes de ravitaillement avancées sont coupées. C'est bon. Écran de fumée prêt à être lancé. Ouais, mais où sont les réparateurs? Je crois qu'il va falloir en faire d'autres. Fusil prêt. Renfort en marche. C'est que ça. Chef de char, un char, ok. Quelles sont mes coordonnées? S'il s'expose, on l'allume. Je crois qu'il est en train de faire ça. On va prendre le risque. Là, c'est bon. Parfait. Ça dit non. Plutôt par là. L'infanterie va arriver. Vous. Là. On va commencer par ça. Soutien d'artillerie est maintenant disponible. C'est quoi ça, obusier de machin? Aux soldats de le déployer? Mais attendez. Quel soldat? Tac. Ah ouais, d'accord. Ça peut être intéressant ça. Allez, on arrive bientôt là-bas. Le produit a été allumé. On va utiliser le calliope. Oh, ça, il fallait le construire aussi. Attendez, on va reprendre des réparateurs. Mortier, démontez-le. Et en quatrième vitesse. Équipe déployée. Objectif sécurisé. Allez, on suit. Construction HP. Faut descendre quelques vaches. Non, je pense que j'ai... Sors ces lames de bulldozer sur nos Sherman. On n'ira nulle part. Écrasez les haies pour ne pas être coincés. Si on allait par là directement avec un char en pleine forme. Ah, pas de MG 42, on va se le faire. Faut descendre quelques vaches. Avancez. Il était obligé de faire tout le tour. Ok. On va donner une bonne leçon au bas. Prenez le matériel et en route. Vous. Ouais, ce point-là. Soit. Il n'y a pas de réparation. Il faut quand même descendre. Il faut qu'on mette le paquet là-dessus. Est-ce qu'il y a un anti-char? Il y aura sans doute un anti-char. On met les gaz. Non. Ok, bah c'est génial. Là, ça va être le grand nettoyage et assez vite. Go. On attend un tout petit peu avant de pouvoir lancer l'assaut avec eux. Parfait, c'est bon, il n'y a presque plus personne. On va peut-être prendre ce bâtiment d'abord, parce que c'est par là qu'arrive l'enfer. Et ensuite, eh ben, on va essayer d'attaquer ça. On va laisser le crocodile parce qu'il peut y avoir des renforts qui peuvent popper d'ici là. Nous, on va s'avancer ici. C'est bien, ça se répare. Là, c'est bon, c'est bon. Bon, ça avance un petit peu et on est à 20 minutes. Et il y a un bunker. Attends, attendez, le crocodile, non, c'est pas lui. Toi, tu vas là.
Allez, Jai, faites votre devoir. Et on va faire notre char, je pense. Hein. Les chars, ça peut être décisif. Peut-être ça, on va faire, on y est presque. Ah bah non, du coup, non. À nous de jouer, les gars. Parfait, tu prends ça. Les lignes de ravitaillement avancées sont coupées. Pardon. Allez, les gars. C'est quoi ça? Ah, une sorte d'observateur, ok. D'accord. Ok. Bah ici on va pas aller plus loin pour l'instant. On va se contenter de prendre ça, d'éclater ça, de remonter prendre ce point aussi quand même. J'espère pas qu'il y a un anti-char. Ça veut dire c'est un crocodile, donc il peut vite le terminer. Allez, on va y être, on va rentrer après. Hop. Parfait. C'est bon, il n'y a personne. Prends ça. Pour aller prendre ça, d'abord le dépôt de carburant. Donc on va aller là. Là, il ne faut pas qu'on traîne sur cette route, parce que je pense que là-bas, il y a un 88. Donc, on va prendre le dépôt de carburant ici. Celui-là aussi, il va être intéressant. Et c'est là qu'on va faire la jonction avec ces forces aussi. Et pourquoi pas envoyer des rangers par là, tiens. Rangers déployés sur le champ de bataille. Objectif sécurisé, fusiliers en position défensive. Parce que si j'ai bien compris, ici, on peut plus se faire contre-attaquer par là. Par contre, ici, il peut toujours y avoir des renforts adverses. On peut passer à l'action. Vous avez besoin de la cavalerie. Indiquez-nous notre cible. Ah. Ah bah salut les gars. On arrive. Ah bah tiens. Plus le bunker ici. Alors ça va être le crocodile qui va s'en occuper. Ici on va s'occuper de ça. Préparez-vous à la bataille. Vous. Tac. Oh bon sang. Ils couvrent la route avec des canons de 88. Restez loin de la route et trouvez un moyen de le contourner. Ah ça va, c'est rapide ça. Rangers parés. Où sont les Boches? Ah, vous êtes là, vous? Ah oui, d'accord, ok. Mince. Voilà, ok, très bien, vous avancez par là. Le canon de 80... Bah, le mortier. Ouais, carrément, tu vas te mettre là. Et là, on va l'allumer, on sait qu'il est là. Là, il doit y avoir des snipers. Il faut qu'à 30 minutes, on ait pris ce deuxième point, ça serait pas mal. Il est où, le Calliope, d'ailleurs? Parce que lui aussi il aurait pu faire le boulot. Section barrée. Fermez-la et écoutez. Ça va être comme neuf. Très bien, les gars. Hop, on va faire ça comme ça. On va se mettre là, on va voir si on peut pas voir un peu. Non, là y'a rien. À vos ordres. En avant. Et on sait qu'on peut se faire bombarder aussi. Blindé, prêt à donner l'assaut. Donc ça c'est doublement dangereux. J'hésite à les bouger, eux. Écoutez bien, les gars. Nous avons regarni leur. C'est eux que je vais ramener. Parfait. Mortier. Enfin. Démontez-le et en quatrième vitesse. Ici. Espérons que ça soit suffisant. Carburant est à nous. Non, allez-y, vous là. Et le Calliope. Bon, il va bombarder large. Hein. Ah, bah voilà, ici. Et vous, ici. Toi, on va t'abattre ça. On va traverser la haie. Et ce point-là est à prendre, mais il y avait des unités ici. On l'a eu. Yes, on l'a eu. Plus de menaces. Je t'avance un peu. Équipe déployée sur le champ de bataille.
Ah, on se fait bombarder. D'accord, comme ça c'est réglé. Oh, bon sang. Ah, offensive de char, d'accord. Bon, alors. On aura besoin d'un troisième. Et des rangers, et de l'anti-char. Allez, toi, t'es inoffensif. Tu vas te replier là. Waouh, c'est chaud. C'est bon, on va l'avoir là. Allez! Il y a la colline qui l'empêche. Il y a du relief. C'est bon. Parfait. Ici, il y en a un autre. Ah, donc ici, ils envoient des renforts de chars. C'est chaud. Voilà. Bon. Il y a un bâtiment là-bas, non? Ouais, donc il y a sans doute des gens à l'intérieur. Il y a un mortier quelque part. Sniper ici. Le mortier, c'était bien. Ok. Il y en a un qui est très très mal en point. Hop. Et en plus, on se fait bombarder. Pas de bêtises, parce que toi, t'es en forme encore. Enfin, t'as de la compétence. Et on est à 26 minutes. Donc d'abord, réparation ici. Renfort, parce que maintenant on a de la ressource, on peut même prendre d'autres rangers. Autre sniper. Allez, on va voir. Ok, ça va, pas de problème. Ok, un QG. Et c'est pas trop dangereux. C'est juste sur mon point. Et bientôt on va envoyer un deuxième. Attendez. On va cibler ça parce qu'il doit y avoir du monde là. Oh, il va se faire avoir. Yes. Oh, bousille tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, un mortier aurait été bien vu. Parce que le sniper et la MG42, on peut pas s'approcher du coup du bâtiment. Comment les éliminer? C'est quoi ça? Ils arrêtent pas, hein? Peut-être prendre un deuxième mortier. J'ai pas assez de population. Parfait, allez, on y va. Vous allez là. Vous ici. Et vous. Réparation. Quelles sont mes coordonnées? Bon, c'est pas si mal. C'est pas vrai. Bon là, je pense qu'ils vont arrêter de les recharger. Quand à partir du moment où on a pris ça, ça va être bon. Section prête à recevoir des ordres. Rangers, paré. Du coup, après, on prend ce point-là, on se recentre ici, il y a des haies un peu par... On va devoir se recentrer là-bas, et on va devoir passer par là. Je crois que c'est là-bas qui cible les bombardements. Faites attention, on se met en mouvement, les gars. Ils vont commencer. On avance. La ferme et vous, c'est pas grave, vous faites ça. Tu continues de bombarder ou pas? Ouais. Parce qu'il a un anti-char, donc ça me bloque un petit peu, quand même. Heureusement qu'il reprend pas le canon de 88. Et voilà. Là c'est bon. On va jusque là. Que voulez-vous? Très bien, allez. Les lignes de ravitaillement avancées sont coupées. On a de la ressource en tout cas, ça c'est bien. Les Allemands se servent des haies pour contourner notre ligne principale. Déployez des mitrailleuses et des mortiers le long des haies pour protéger nos flancs. C'est bon? Alors allons-y.
Ah là, c'est pas prêt ça. C'est pas prêt. Rogers prêt. Pas de problème. On attend que les boss. Remuez-vous le cul. Bah, c'est bon là. Rogers, par reprenons ce secteur à l'ennemi. C'est parti. Oh toi. La position est sous. Est-ce qu'on le prend? On tient la position. À vos ordres. Parce qu'on a un peu limite au niveau de la population, donc on va passer à côté. On essuie des tirs. Là, c'est bon. Ça c'est bon. Direction ce point-là maintenant. Oh bah toi. Un deuxième. On aura besoin du soutien. Ah, plus de couverture. Est-ce qu'on pouvait pas juste tirer un roquette qui pourrait être. Non, c'était nul. Rentrez chez vous. Parfait, c'est prêt. Allez, à fond dessus. Eh, hey, on va le prendre, tiens. Et on va faire un QG ici. Non, ils vont s'installer. Tire là-dessus, toi. Allez. Bon, par contre, on n'a pas... Hop, fais ça. Choper. Ah, ils ont lancé une grosse contre-offensive. Hein. On va voir le deuxième. Ah ça c'est bien là, le 88 il nous faut l'horizon. Mais... Chopez-moi ça. Les anti-chars ne servent pas à grand chose. Pour l'instant, tac. Ah ils n'ont pas terminé le boulot, ok. Okay. Écoutez bien. Allez. Ah, on est au maximum, donc on va prendre les fusils mitrailleurs. Ok, on va. On a dit faire un QG, c'est pas sur notre territoire. Que faut-il ok, il faut prendre ça. Quelles sont mes coordonnées? Vous. Faites attention. Territoire. Oh bon sang. Viens, on arrive. Section Paris. Chef de charge. Toi, tu vas t'installer là. On va peut-être pas prendre tout ça en fait. On va aller directement à la colline, je pense. Priorité à l'objectif secondaire. Beaucoup d'infanterie un peu pourrie. Le Calliope, il faut qu'on s'en serve pour bousiller ça. Un anti-char, mais il est mal placé, donc ça c'est très bien. Ah, là aussi, pareil. Excellent. Parfait, là ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir tranquillement. Et ensuite on va avoir le champ libre pour pouvoir achever ce bâtiment. Allez go. Ça c'est dangereux. Non bah continue puisque là on va se faire bombarder sinon toi aussi. C'est la dernière fois qu'il va l'utiliser. Ah! Ah bah justement. Ah. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre? Ah, il continue de bombarder, c'est bon, voilà. On va nettoyer tout ça. Ici, ils sont de l'autre côté de la haie. Cela dit, on peut traverser directement. L'ennemi très basse. Le mortier. Enfin. Équipe déployée. Démontez-le et en quatrième vitesse. Ah voilà, on peut faire ça. À vos ordres. Hop, hop, hop. Pas d'anti-char, si anti-char. Prendre ce point, c'est quand même important. Allez, on bouge ici. À vous de jouer. Les améliorations de notre QG sont achevées. On a des chars qui vont pouvoir bientôt attaquer ici. Écoutez bien. Non, là, non. Sapeur, prêt à l'action. Quelles sont mes coordonnées? Cavalerie motorisée, prête. Toi, tu peux aller jusque là? Bah allez, vas-y, bombarde donc la colline. Par contre, là, il y a un anti-char, je crois. J'ai vu tout à l'heure un anti-char. Non, c'était en bas.
dessus. Et puis là, on va aussi se bouger. Lui est prêt. On a des grosses réparations à faire. Donc toutes les équipes vont se bouger. Là. Eh, mais toi, tu peux faire ça. Ah, ça part de là, les roquettes, ok. Ça, c'est fait. Ça veut dire qu'il va pas nous exploser dessus. Si. Bon. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ouf. Bon, ça c'est bon. On va péter ça. Et alors, du coup, on sait qu'il y a quelqu'un qui nous bombarde encore. On a trop d'unités. On a des anti-chars, ouais, inutiles. On va aller les sacrifier à la limite. Ça, ça va pas durer très longtemps. Et... Eh, on peut peut-être pas passer, là. Avec cette affaire... Hein. Bon, moi, ça va libérer la population. Non, bah du coup, c'est vous qui allez faire ce boulot-là. Et vous, ok. Mais ils sont pas très en forme, là, pour continuer. Quelles sont mes coordonnées? Quelles sont mes coordonnées? Mortier, prêt. Qu'est-ce que... Sur quoi tu tires, toi? Équipe de mortier en progression. Et donc, régulièrement, ils nous bombardent. Il nous reste 14 minutes. Artillerie de campagne, à vos ordres. Avec moi. Le bâtiment est à nouveau. Oh, tiens, on va en faire un de plus. Les Rangers contrôlent le secteur. Et puis vous, depuis tout à l'heure, ouais, autant monter, hein. Fusil, prêt. Il doit avoir une autre base alors. La section d'infanterie signale la perte. Purée, j'aurais dû attaquer, parce que là du coup, on a perdu. On va peut-être envoyer celui qui est le plus en forme. Et on sait qu'on peut faire des bombardements. La galère. Prêt. Prêt. Voilà, on va espérer pouvoir bousiller celui-là. Il y a un char encore. Le problème, c'est que les renforts sont loin. Toi, tu es le crocodile. Je sais pas s'il est en l'air ou... Non, c'est bon. Ok, on va péter cette haie-là. Pour ça, on peut le perdre, c'est pas un problème. Voilà, ça nous fait de la population. Voilà, là on est passé, c'est parfait. C'est juste qu'il nous faut... Voilà, ça c'est bien. Il est toujours vivant, c'est l'essentiel. On va le garder là. On va l'avancer un petit peu pour pouvoir faire un autre bombardement. Parce que normalement ça, ça a été détruit. Si j'ai un peu de bol. Ça n'a pas été détruit, j'ai pas eu de bol. Hop, voilà, tu fais ça et tu vas le bon, on va s'avancer. Soldats en formation, je pense que j'ai fait tout chemin. Unité ennemie détruite. Alors on recule. Prenez le matériel et on. Comme un poisson dans l'eau. Difficile de mettre un pied devant l'autre pourtant. On attend des jolis cap aux intervalles. Ok, ça ça a été détruit. Il y a le char, pas facile le char. C'est pour ça qu'un anti-char finalement, un anti-char c'est pas mal. Pour aller faire le boulot. Allez, on va terminer ça. Lui, juste ici. Et bien, bâtiment. Le bâtiment a été détruit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'avancer. On va lancer une grenade pour péter l'anti-char qui reste. Comme ça, le crocodile pourra venir. Anti-char contre Panzer. Allez, fais ton boulot. Voilà. Voilà, parfait. Ça, c'est bien. Et puis d'ailleurs, j'aurais pu... C'est trop tard. Allez, hop, si on fait ça. Ah, il bombarde ici, bon, c'est... Pas plus mal. Vous, allez là. Hop. On est moins nombreux maintenant.
Ah, il est à genoux là. Encore un tir et après on pourra envoyer le Sherman ici. Même s'il est mal en point, il n'y a plus vraiment de menace après ça. Parfait. On va le mettre là. Par contre, on n'a plus de munitions. À vos ordres, restez baissés. Tire d'artillerie, bloquez-vous. Où ça? Il charge notre blindé. Où ça? Hop, 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 hop. C'est parti. Remuez-vous le cul. Roger, en avant. Courez, courez. Éclatons. On va rester là-dessus. Toi, tu peux t'avancer à nouveau. Et là, du coup, il faut bousiller le... Le commandant qui nous cible, quoi. À vos ordres. Quelles sont mes coordonnées? À vos ordres. Ah, c'était son dernier bombardement. Allez, on se presse. Il y a encore un bunker. Hein. Il n'y a pas d'anti-char. C'est toi? Non, c'est pas toi. C'est lui. Go! Oh, plus le vrai, en fait, ça va être pas mal. Hein. Je vais brûler ça. Pas cool. Façon de parler, hein. Il reste des forces, il y a le... Ouais, non, ça servira pas grand chose. Vous. C'était le dernier bombardement, hein. Bah voilà, il faut prendre la position, c'est tout. Des renforts, ok. Ah, il se laisse pas faire, hein. Allez. Et ben voilà. Pas si facile, hein. Mais c'est fait. Bon, c'était sympa. Et j'avais encore un petit peu de temps, j'aurais pu prendre 2-3 autres points, mais c'est vrai que... En fait, il y avait deux points depuis lesquels ils pouvaient me bombarder, la colline elle-même et l'autre mirador. Et puis il restait encore une base, et c'est pour ça qu'il y avait une contre-attaque qui est survenue, mais on est venu à bout. Ok, bah j'espère que l'épisode vous a plu, et puis on se retrouve bientôt pour le chapitre 10, je crois que ça va être Saint-Lô cette fois. On se retrouve sur Saint-Lô dans une prochaine mission. Salut à tous.